Cette marche avait été bien organisée. Nous étions prêts à marcher. Et jusqu'à aujourd'hui, le mécanisme est toujours en place. Les jeunes sont mobilisés et nous sommes prêts à revenir en forme. Nous avons une nouvelle stratégie. Mais malheureusement, le jour de la marche, le gouvernement de M. Sassou avait déjà mis en place un mécanisme. Des policiers, des agents de sécurité qui étaient là, qui étaient déjà prêts pour assassiner les Congolais, pour créer le désordre. Et nous avons reçu des informations sûres. Vous avez vu officiellement, le gouvernement avait publié une note demandant à Denis Sassou Nguesso de limoger ce gouvernement. Nous étions prêts parce que nous sommes décidés à faire partir M. Sassou. Mais malheureusement, nous avons vu que notre stratégie était trop directe. Il fallait bien changer de système afin d'éviter de se faire prendre par les lieutenants de Sassou Nguesso, par son armée, par sa police, qui est déjà prêt à tirer sur les populations en cas de manifestation. Donc nous avons pris des nouvelles mesures. Nous avons changé de stratégie. Et je vous promets que dans les semaines à venir, nous sommes déjà là. Nous sommes en train de mettre en place une bonne stratégie. Nous allons faire face à cette police parce que nous n'avons pas d'armes. Nous avons juste la parole. Nous avons juste la bouche. Voici notre arme, la liberté. Nous sommes libres. Le Congo est notre pays et nous sommes libres de défendre justement les populations du Congo qui souffrent depuis 40 ans. Le 15 août, l'alerte était générale et nous ne renonçons pas. Nous ne pouvons pas reculer. Nous sommes prêts. Au contraire, nous avons mis en place une nouvelle stratégie. Nous avons compris ce que M. Sassou est en train de préparer. M. Sassou Nguesso est connu pour ça. Il est déjà en train de tout faire pour massacrer les populations. Il est clair, vous savez tous ce qui s'est passé dans notre pays. Sassou Nguesso n'est pas pour la liberté d'expression. M. Sassou ne veut pas que les jeunes se lèvent pour lui dire ça suffit, pour lui dire stop. Il le sait très bien. Et là, Dieu merci, cette marche du 15 août a été reportée pour une date que nous tenons secret. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas informer les populations ou informer le gouvernement de Sassou Nguesso. Nous allons garder notre projet en secret et nous allons justement opérer comme à l'époque de la révolution arabe, le printemps arabe. Nous allons opérer à travers un mécanisme de communication secret entre nous les jeunes, entre les leaders de la jeunesse, tous ceux qui partagent ce combat afin de descendre, de faire partir M. Sassou Nguesso et tous ceux qui sont en train de détruire le Congo-Brazzaville. M. Denis Sassou Nguesso ne nous fait pas peur. Nous n'avons plus peur des menaces. Nous n'avons plus peur de mourir pour notre pays parce que notre peuple a été pris en otage depuis 40 ans par M. Denis Sassou Nguesso qui ne veut pas abandonner, qui ne veut pas quitter. Je dois vous dire, oui, c'est vrai. Depuis un certain moment, je suis victime, malheureusement, de plusieurs menaces. Des menaces de mort, des menaces d'enlèvement. Je reçois des appels, je reçois des messages par-ci, par-là, par des individus, des inconnus qui m'appellent pour me menacer, pour me dire qu'ils vont me tuer, ils vont m'enlever, ils vont me faire du mal parce que ce pays appartient à Denis Sassou Nguesso et à sa famille. Ce pays ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas des Congolais. Je ne suis pas Congolais. Et tous ceux qui, aujourd'hui, sont victimes de la dictature de M. Sassou ne sont pas des Congolais. Et que moi, Lassine Bouthi, je serai arrêté, je serai enlevé. Je reçois des appels inconnus, anonymes, que ce soit par mon téléphone ordinaire, le réseau normal, ou bien sur les réseaux sociaux, surtout que vous savez que mes numéros de téléphone sont publics, je ne cache rien de ce que je fais, tout est connu, mes numéros de téléphone sont connus, et n'importe qui m'appelle pour me menacer, pour me dire, Monsieur Lassi, on va t'arrêter, Monsieur Lassi, tu n'as pas le droit de dire la vérité à Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui, comme il appelle, disent que c'est lui le chef. Nous sommes là pour lui et nous allons le défendre. Donc nous, on va t'arrêter, on va t'enlever partout où tu iras. Nous avons des caméras, on voit tout ce que tu fais, on sait là où tu te trouves en ce moment.
Nous allons t'enlever et tu vas voir le sort qu'on va te réserver. De Kobomayor, on te fera du mal. Mais je dois dire aux Congolais que je n'ai pas peur d'un enlèvement ou de quoi que ce soit, des menaces qui viennent des agents de M. Sassou Nguesso. Je n'ai pas peur de ces menaces parce que je sais que je suis en train de faire un combat juste. Et vous venez de le rappeler que l'article de la Constitution, c'est l'article 9, M. Perrin, voilà, qui interdit la violation des droits de chacun, de tous les Congolais, de tout être humain. Tout être humain a des droits, a le droit de la liberté. Et personne ne peut être accusé jusqu'à preuve du contraire. Et je les attends, je suis prêt. Et depuis un certain temps, depuis quelques jours, depuis qu'il y a ces menaces, même hier, j'ai reçu des appels, plus de 10 appels qui me menacent. Parce que moi, aujourd'hui, je demande à M. Sassou de partir. Il a 40 ans au pouvoir. Les Congolais sont en train de souffrir dans la misère. Les Congolais n'ont pas l'eau. Les Congolais n'ont pas l'électricité. Les Congolais n'ont pas la nourriture pour manger. Les Congolais n'ont pas un toit pour dormir. Les Congolais n'ont pas d'éducation. Les Congolais n'ont pas de boulot. Comme on venait de le dire tout à l'heure, l'année de la jeunesse a été sacrifiée. Comme nous avons dit la dernière fois, ce gouvernement, en particulier M. Thierry Moungala, nous a démontré une fois de plus que Denis Sassou Nguesso n'est pas là pour servir les Congolais, pour donner du travail aux jeunes. Cela signifie simplement que ce gouvernement n'est pas là pour donner de l'emploi à la jeunesse. Nous allons continuer à vivre dans le chômage jusqu'à la mort. Et eux, ils sont prêts à rester là. Ils ne veulent pas abandonner le pouvoir. Ces gens-là sont prêts à tout pour ce pouvoir parce qu'ils ne veulent pas quitter. C'est ce qui est malheureux. J'ai suivi dernièrement le professeur Théophile de Benga. Il est déjà vieux. Je crois qu'il y a eu une émission dernièrement où Monsieur Benga, tout ce que j'ai retenu de cette émission, du conseil, Obenga peut mourir demain, mais s'il a laissé un conseil aux jeunes Congolais, aux générations futures de notre pays, M. Obenga a dit que tous les Congolais sont des prix Nobel de la paix. Le Congolais connaît tout. Tous les Congolais sont des intellectuels. Tous les Congolais, le Congolais n'est pas humble. Le Congolais est orgueilleux. Congolais nzimaka moninga. Congolais qui est marqué n'a papa, n'a bois la béto. C'est un très bon conseil que j'ai retenu. Ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais oui, M. Obenga a raison. Même si je sais que M. Obenga fait partie du système, même si je sais que Théophile Obenga n'a fait que bénéficier des avantages de ce système, il a été ministre plusieurs fois, il a tout eu, M. Obenga, de ce pouvoir, en particulier de Sassou Nguesso, ça c'est connu. Mais il a au moins donné un bon conseil.